مرحبا. شكرا سي سعد جاب الخير. شكرا كل الإخوان اللي قبلوا الدعوة واللي جاوا اليوم. إن شاء الله باش يكون نقاش، ونتمنى يكون نقاش ثري باش نخرج كلنا شوية أغنياء أكثر من قبل ما دخلنا بالتبادل الأفكار. في الحقيقة أنا كنت حضرت شوية باش نشوف كيف قدموا يعني الإشكالية هذه اللي عايشين فيها، إشكالية الانتقال من مجتمع كان تقليدي أساسا إلى مجتمع ربما يحضر نفسه باش يدخل في الحداثة، وكل الأشياء السلبية اللي تنجر على هذا التحول. فبما أنه كتبت أنا الكتاب بالفرنسية وهي اللغة اللي نتحكم فيها، حاول نقدم الأفكار تاعي ربما شوية بالفرنسية وشوية بالعربية، وإذا كان هنالك يعني نقاش مرحبا به. فنشكر مرة أخرى سي سعد جاب الخير، وراه هو ذكر يعني حاجز داخل المجتمع، داخل خاصة النخبة الجزائرية، يعني بروبليم او نيفو دو ليليت. دوك كيفاش جزائري مواطن اللي عنده اهتمام بالمجتمع نتاعو، il se pose des questions sur sa société, il veut contribuer à faire évoluer cette société, mais en particulier l'élite lui fait des procès d'intention. يعني tous ceux qui veulent s'engager, s'impliquer, donner de leur temps, faire des sacrifices, quelle que soit يعني, la forme que prend l'engagement, immédiatement il y a des factions, j'allais dire, dans la société qui va l'empêcher, essayer de lui mettre les bâtons dans les roues. Je vous dis ça d'autant plus que un homme a venu à la politique est venu par le biais intellectuel. Et donc, je n'ai pas fait la politique comme étant contre la dimension de la réflexion, mais au contraire comme un prolongement. Et il n'est pas utile pour la société, il n'est pas sain, il n'est pas rentable pour nous de couper ce lien. Et vous avez tous remarqué comment notre société maintenant est fragmentée. Elle est coupée, elle est saucissonnée. Le syndicaliste reste dans son syndicat, le corporatiste reste dans sa corporation. Celui qui veut penser l'islam est aussi emmuré. Celui qui veut penser la politique, on l'empêche. D'ailleurs, pour vous dire la vérité, depuis un an que le livre a été publié, c'est la première fois qu'une association nous invite à en parler. Plus que ça, là, on avait pris des contacts avec certains cafés littéraires, mais exactement au motif qu'il s'agissait d'un homme politique, donc on ne nous donne pas la parole. Vous voyez le paradoxe dans lequel on tombe. Yani, si vous vous engagez, on vous met dans une catégorie, et ensuite le politique doit s'occuper des sièges et des élections et du râtelier. Mais si vous voulez yani, changer des éléments dans votre société, et là on vous fait un procès. Peu importe yani, la conclusion de ce problème, mais ce qui est important, c'est que il y a à chaque fois des contradictions qui nous permettent de rentrer dans le problème. Si j'ai commencé par parler de cet aspect, c'est pas pour en faire yani, une conférence, mais c'est juste pour dire que c'est lorsqu'il y a des contradictions, des positions contraires, qu'on commence à se poser des questions. Et ça se passe en tout, en politique, mais aussi en économie, dans l'étude des religions, et même, je peux vous dire, dans la biologie, puisque là, je proviens à la base de la biologie. C'est lorsque un organisme est en dysfonctionnement que le chercheur peut trouver comment fonctionne l'organisme dans l'état normal. Parce que si tout était parfait, on ne peut pas rentrer dans la compréhension des phénomènes qui les gèrent. Et c'est ainsi que, à cause de ces contradictions, à cause de cette capacité de s'extraire yani, d'une réalité qu'on a l'impression qui est normale, qu'on peut comprendre et toucher un peu ce qui se passe. Alors, pour entrer directement dans le vif du sujet. Ma préoccupation n'était pas d'ordre universitaire et académique.
Donc, même si le sujet semble un peu ardu, même s'il intéresse, j'imagine, ceux qui ont yani une base ou un intérêt autour des sciences humaines en général, mais ma démarche n'a pas été académique et c'était fait au départ, non patiemment, mais de façon pragmatique. Comme tout citoyen algérien, on constate qu'est-ce qui se passe dans notre société. Ou شرح ساري في المجتمع نتاعنا وعلاش كاين تناقضات نعيشها. On vit des contradictions ou تناقضات هذو يصبحوا عديد من المرات يجيبونا باشياء سلبية. Bon, سهل باش نشوفوا التناقضات يعني اللي واحد يحب يحل عينيه ويشوف المجتمع يسيب باللي عدد كبير من الاشياء ما مش عادية وفي نفس الشخص عنده مواقف متناقضة في نفس الوقت وما وش عارف روحه وش يدير. تقدروا تشوفوا اي جزائري يروح مثلا للخارج للمرة الاولى يزور مثلا الغرب ومن بعد كي يولي كثير منهم يقول لك اواه الاسلام راه ليه ما راهش هنا. هادي سي كورون الناس قاعده تشوفها. يقول لك اواه ليه عند كاين الرحمة وكاين العلاقات الطيبة وكاين وحنا ما كانش. مي هنا نهار الجمعة الناس كانوا تروح للجامع واللي عندهم حتى واحد ما يروح للكنيسة ولا للمسجد. دونك هنا كاين تناقض. الروح اللي كان من المفروض نحملوها هذيك لام بوزيتيف مفقودة ما كانش. عندنا اللباس ولكن ما عندناش القلب. إليا لا فورم مي نيا با لو كونتون. كي تشوفوا حولكم وتقارنوا مثلا كاين كثير يقول لك حنا والدينا كانوا مهنيين كانوا عايشين ملاح وهذاك الوقت كان الاحترام والاحترام للناس اللي عندهم مسنين اون ريسبكتي لي جون اجي اون ايتي توجور يعني دون دي رابور ابيزي اي تو سو ديغولي كوريكتومون بيان اون سو سونتي بيان واليوم اون سو سون مال سيستيماتيكمون. Le mari avec sa femme, ça se passe mal, il y a toujours des dysfonctions, il y a toujours des problèmes. Le papa avec les enfants, il y a toujours des complications. Quand vous allez au travail avec le responsable yani professionnel, il y a toujours des tensions. Et donc, علاش حنا عايشين dans ces difficultés et ce malaise, ce mal-être systématique. Donc là, je vous épargne beaucoup de détails que vous pourrez retrouver dans le livre pour ceux qui s'intéressent. Mais la conclusion à laquelle j'avais abouti était que nous vivions deux mondes à la fois. Nous vivons deux programmes, deux logiciels à la fois. D'où ces contradictions. Comme la majorité, ils savent utiliser un micro-ordinateur, ils savent ce que c'est un logiciel. Lorsque vous avez deux logiciels incompatibles et qui ont les mêmes fonctions à peu près, et vous les mettez en même temps, ça bug sans arrêt. C'est ce qui nous arrive. La société algérienne bug systématiquement et sans arrêt dans tous les étages. Alors, si on commence à rentrer dans les détails, tout le monde connaît ces détails. L'Algérien fait au stérec d'automobile, il baisse, il fait que la personne est l'or, mais elle est belle. إنسان يسمى شوية تعبان ولا يوصل الجيشي عميدي سانك يقول له غلقت عاود ولي ضب راسك مام يقول له جيت من 200 كيلومتر ما عليناش. دونك toutes ces contradictions on peut les relever et beaucoup ont décrit l'Algérien sous différentes formes, الجزائري هكذا وهكذا, mais on n'arrivait pas à donner le sens de tout ça. Est-ce qu'il y a une relation entre tout ça ou là il n'y en a pas? Donc le premier travail que j'ai essayé d'effectuer était de comprendre, puisque notre société était une société traditionnelle, mais c'est quoi cette société traditionnelle? Est-ce que c'est Barkhagda quelque chose, une mentalité qui flotte à peu près, des règles de conduite, ou là c'est quelque chose de plus précis qui yani, va qui peut être décrite de façon précise. En cherchant, je n'ai jamais trouvé une description complète de ce qu'est une société traditionnelle. On trouve des critiques. La société traditionnelle, patriarcale, de vieilles habitudes, mais ça,
ما صفيناش. On n'arrive pas à séparer qu'est-ce qui relève vraiment d'une structure, qu'est-ce qui relève برك d'un comportement, d'un caractère, d'une psychologie. Donc, حنا نروحو directement à cette société traditionnelle pour expliquer من بعد comment depuis l'indépendance sur les 20-30 années de l'Oulin, on est sorti de la société traditionnelle, mais on s'est retrouvé devant le néant. Parce que l'Oulin, on est dans une situation où notre société est post-traditionnelle. Mais بعد المجتمع التقليدي. كنا نقدروا نقولوها تحضير للحداثة. Une situation prémoderne, mais on ne le dira pas parce qu'on n'est pas en situation prémoderne. On est en situation post-traditionnelle, mais pas prémoderne. Parce que prémoderne, ça signifie on a un chemin, vers la modernité. Le problème, c'est que notre société ne sait pas où elle va. Donc, on a perdu la société traditionnelle, mais on n'a rien construit, on n'a rien projeté, tout simplement parce que personne n'avait posé ce problème-là. Alors, c'est quoi la société traditionnelle? Tous les peuples dans le monde, on va dire nations, mais là aussi parce qu'il y a un problème de contenu des mots, mais tous les peuples ont des caractéristiques. Par exemple, le chinois est différent de l'européen en général. Même en Europe, le français est différent de l'italien. Le russe a ses caractéristiques qui sont complètement différentes des anglais, etc. Alors, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui donne le fond d'un peuple? Oui, on le reconnaît. Même s'il est clair de teint, même s'il est habillé comme... Il y a des caractéristiques très particulières. Alors, ces caractéristiques, elles viennent d'où? Est-ce que génétiquement, on est différent? Adam, je vous réponds directement, c'est non. Tous les scientifiques ont démontré que ce n'est pas un problème au niveau de la race ou de la génétique. Donc, ce n'est pas un problème inné. C'est un problème, pas un problème, c'est des caractéristiques acquises. Alors, un peuple, en général, se construit à travers plusieurs siècles avec ce qu'on appelle les valeurs anthropologiques. Le qiyam anthropologique. Qu'est-ce que c'est les valeurs anthropologiques? D'abord, ce sont des valeurs inconscientes. On les porte en nous et elles se transmettent de génération en génération de façon implicite. Ça fait partie de notre mémoire collective. Les psychanalystes appellent ça aussi, dans l'école de Jung, ils appellent ça l'inconscient collectif. Il y a comme quelque chose qu'on partage tous ensemble, c'est un patrimoine, et qu'on se transmet de génération en génération. Les valeurs anthropologiques, elles viennent d'où? Avec trois sources fondamentales. Premièrement, c'est l'homme qui s'adapte à la nature. Donc, là, vous avez en Afrique du Nord, c'est différent de l'Europe par le climat, par la géographie, par le relief. Si vous allez au sud, au Sahara, c'est différent que si vous allez sur le Sahel, sur le littoral. Donc l'homme, dès le départ, doit s'adapter à la configuration de son milieu pour vivre. Parce que c'est ça l'objectif. L'homme, au début, il fallait qu'il vive et même qu'il survive à sa condition. Vous savez très bien comment les premières civilisations sont nées en général à côté des grands fleuves, que ce soit entre le Tigre et l'Euphrate à Sumer ou le Nil en Égypte, les premières grandes civilisations et puis même les pôles de développement en Europe se sont faits toujours le long des grands fleuves des grands continents. Aux États-Unis, la même chose par la suite. Donc, les valeurs les valeurs anthropologiques nous proviennent premièrement de la relation de l'homme à la nature, plus spécifiquement de l'homme à la terre, et donc du mode d'organisation de la paysannerie. La paysannerie, c'est notre fond dans notre inconscient,
le mode de fonctionnement, comment elle exploite la terre, comment elle se répartit la terre, comment l'économie de l'eau, etc. Deuxième élément très important, c'est la forme que prend la famille. Nous, pour un Algérien, nous voyons qu'en Algérie, il y avait la famille, donc un peu moins, et on a l'impression qu'ailleurs, il n'y a pas de famille. En fait, le monde entier s'organise, se structure, tous les peuples se structurent en famille, mais les formes de famille sont différentes. Et là, c'est extrêmement important à dire. La famille Tana, les anthropologues et la classe comme étant une famille communautaire endogame. Elle est communautaire parce que vous avez jusqu'à 3 générations qui vivent sous le même toit. Elle est endogame parce qu'il y a un très fort pourcentage de mariages entre cousins. Bint al-Khal, Bint al-Am, etc. Elle est également, même si ce n'est pas très répandu, mais ça a eu un impact important, elle est polygame. Ce qui vous explique la dimension que peut prendre une famille algérienne dans le temps, on va dire nord-africaine, sous forme tribale. Puisque dans la tribu, elle est toujours fondée par un ancêtre qui peut être mythique. Mais il y a, par les croisements, les cousinages, il y a une expansion tribale. Si on la compare avec d'autres structures familiales, par exemple, on prend l'autre extrême, c'est la famille nucléaire absolue. Ce sont les Anglais, essentiellement. Les Anglais, Romains, à 18 ans, l'enfant est mis dehors. Et il doit voler de ses propres ailes. Et plus que ça, l'héritage, qui rentre dans la définition même des formes familiales, l'héritage n'est pas partagé de façon équitable, selon nous, de façon égalitaire entre les enfants. L'héritage est donné à l'un des enfants en totalité, ou alors partagé. Il n'y a pas de règles. Ils peuvent s'adapter comme ils le souhaitent. Il n'y a pas de règles qui les obligent à avoir telle ou telle façon de partager. Ce qui fait que vous avez dans ces sociétés, par exemple la société anglaise, elle est très individualiste, parce qu'elle est nucléaire absolue, très individualiste. Chacun compte sur lui-même et elle peut être inégalitaire. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des gens très riches et des gens très pauvres, ça ne choque personne. Ça vous donne des sociétés très libérales. Vous avez de l'autre côté, par exemple, la société chinoise ou russe, c'est le même type de famille. C'est des familles communautaires mais exogames, à la différence des sociétés arabes en général et musulmanes. La famille communautaire exogame, où il crée une forme de tabou dans le mariage, dans le cousinage, mais c'est des familles, la même chose. Vous avez 3 générations qui peuvent vivre sous le même toit, et ils se partagent, il y a une très grande solidarité à l'intérieur. Donc ils ont un mode de vie particulier. Vous avez un autre mode, par exemple les Allemands. La même structure familiale des Allemands, vous la retrouvez au Japon et vous la retrouvez en Corée du Sud. Je vous dis ça pour vous mener petit à petit à réfléchir. C'est quand même extraordinaire que des idéologies apparaissent dans ces zones-là et elles sont à peu près cohérentes entre elles à l'intérieur d'un même type de famille. Par exemple, la famille communautaire exogame chinoise ou russe, elle a donné du communisme. La famille absolue, nucléaire absolue, donne du libéralisme. C'est le cas des Américains, puisque on sait que c'est un peu le modèle anglais qui s'est réimplanté aux États-Unis. Vous avez la famille souche, allemande ou japonaise, ou coréenne du Sud, qui donne des tendances à l'absolutisme, à un pouvoir extrêmement fort, jusqu'au nazisme ou là au fascisme. Même en Italie, une partie est structurée de cette façon. Notre pays, juste avant de dire ça, ces idéologies apparaissent à des moments particuliers de la vie de ces nations. Parce que les Chinois n'ont pas été toujours communistes, ou les Allemands n'ont pas été des nazis.
pourquoi il y a des idéologies qui apparaissent de façon très hystérisée, c'est-à-dire pathologique. Il y a des comportements pathologiques. C'est lorsque ces peuples ou ces nations vivent des moments de crise profonde, des crises de changement dans leur structure anthropologique. Donc à chaque fois qu'il y a des changements très profonds dans la mentalité des peuples, ça conduit à l'expression de certains caractères qui sont dus à leur structure familiale. Hna, on a une structure communautaire endogame avec, comme troisième élément, je parlais tout à l'heure, il y a des valeurs anthropologiques, avec un troisième élément qui est religieux. Dans tous les cas, les valeurs anthropologiques dépendent de la terre, de la famille et de la religion. Hna, le moment de crise profond de la société algérienne, ces moments de crise ont cristallisé ou ont fait cristalliser l'idéologie islamiste. Donc l'islamisme idéologique n'est pas un excès de religiosité, c'est le produit d'une déstabilisation très profonde des valeurs anthropologiques. Ben, on peut revenir, si ça intéresse, le débat. Pour éviter d'aller très très loin. Donc notre structure, je reviens à la structure traditionnelle. Au moment où la famille algérienne s'est constituée, elle s'est constituée avec des règles de base qui disent la chose suivante. La famille a besoin de survivre et de garder son patrimoine. Les terres sont pauvres, la productivité est très faible parce que il n'y avait pas à ce moment-là, parce que là il faut se replacer dans les siècles précédents. Il n'y avait pas d'engrais, il n'y avait pas de tracteurs, donc il fallait des bras pour produire de l'agriculture, mais extensive, pas intensive. Donc on a besoin d'espace, on a besoin d'eau, on a besoin de main-d'œuvre. Et surtout, on ne veut pas morceler ces terres-là, parce qu'elles sont la source de la survie du groupe. Donc dès qu'on dit ça, se pose directement le problème de la reproduction. C'est-à-dire, s'il y a des générations nouvelles qu'on introduit dans le groupe, il peut y avoir dislocation de l'héritage. Autrement dit, plus directement, si la fille se marie avec quelqu'un d'extérieur, elle va faire rentrer quelqu'un d'étranger, d'extérieur, dans les biens de la famille. Et donc, très tôt, il fallait absolument contrôler la vie adulte de la femme. La femme n'a pas le droit de choisir son conjoint parce qu'il y a une histoire d'amour ou là il y a une entente, parce que là elle va remettre en cause les intérêts du groupe. Donc très tôt, il y a eu répartition des fonctions. La femme doit être absolument contrôlée, donc le milieu dans lequel elle vit doit être fermé et contrôlé. Et ensuite, on va lui demander de reproduire la force de travail, parce qu'on a besoin de bras. Donc, on va lui demander d'avoir le garçon. Là commence toute une série de problèmes. Parce que si elle n'a pas le garçon, elle risque d'être répudiée. Vous connaissez, elle est répudiée parce qu'elle n'est pas capable d'aider le groupe à survivre à ses problèmes. Il faut qu'elle ramène le garçon. Et la femme, elle comprend et elle est préparée par la maman très tôt. Il vaut mieux avoir très vite un garçon et elle le couvre. Il ne faut pas que le garçon ait un problème parce qu'avec lorsqu'il y a la maladie, il y a beaucoup de risques à l'extérieur. Il y a beaucoup de situations où elle risque de perdre le garçon qui représente son propre salut. Toutes les mères au monde ont un sentiment filial. Une maman aime son enfant. La maman de la famille traditionnelle, on a l'impression qu'elle l'aime de façon surmultipliée. Et il y a un rapport, surtout premier garçon et maman, très particulier. Parce que la maman sait
que son salut, son sauvetage vient à travers le garçon. Parce que d'abord, elle sera protégée de la belle famille dans laquelle elle vit, puisqu'elle vit chez ses beaux-parents. Ensuite, si elle n'est pas, si elle a un garçon, elle ne sera pas répudiée. Et si par malheur le mari meurt, le garçon lui donne une possibilité d'avoir une part d'héritage. Si elle n'a pas de garçon, l'héritage repart vers les oncles, en grande partie, même si elle a une fille ou des filles. Donc, la structure de cette société, telle qu'elle est, elle a entraîné des comportements et des répartitions de fonctions à l'intérieur de la société. Alors, le problème est que, comme c'est une relation dissymétrique, ce n'est pas pour une femme, dès qu'elle naît, d'ailleurs, vous le savez, la chanson d'Idir Sendou, il raconte comment, quand l'enfant arrive, il est bercé. Si c'est un garçon, il va y avoir les you-you. Si c'est une fille, ça va être la tristesse. C'est le chant populaire, mais vous retrouvez, vous connaissez ses habitudes. Quand c'est une fille qui naît, on est triste, quand c'est la première. Et après, elle va grandir en lui demandant beaucoup d'efforts. On la fait travailler à l'intérieur de la maison, et en sachant qu'on la prépare à aller servir une autre famille. Alors que quand le garçon naît, il va y avoir la grande fête, et après on va couver le garçon. Il ne fait rien à la maison. Et ça, ça a des répercussions terribles à l'heure actuelle. On reviendra. Bien entendu, le mariage cousinage rentre dans cet ordre d'idées. Quand on marie les enfants entre cousins, c'est pour maintenir en place les biens du patriarche. Puisque le grand-père est là, il a les biens. Ses fils sont chez lui, ils se marient. Et les petits-fils se marient entre eux de manière à garder toujours le même patrimoine. Comme c'est extrêmement difficile maintenant de maintenir cette structure de façon naturelle. Parce qu'il y a ceux qui doivent payer la facture. C'est d'abord la moitié de la population, c'est la femme. Elle paye cette forme d'organisation. Ensuite, ce sont les jeunes, les enfants, ceux qui n'ont pas une possibilité de s'exprimer. Et après, tous ceux qui refusent le système pour une raison ou une autre, et on reviendra là-dessus. Le problème, c'est que ça ne s'arrête pas là. Alors, pour maintenir en place cette structure, il va falloir mettre en place des rapports très particuliers. Le premier, dans tout groupe, il nous faut un rapport d'autorité. Sans autorité, un groupe se disloque. Qu'il soit au niveau de la famille, au niveau professionnel, au niveau d'un État, il faut une autorité hiérarchisée. Mais l'autorité hiérarchisée, dans le monde moderne maintenant qu'on voit, c'est une autorité légitime. C'est-à-dire à l'université, c'est le prof le plus brillant qui gère la chaire. Si c'est dans une entreprise, c'est le plus capable pour vendre le produit ou là pour faire gagner son entreprise. Donc il a une légitimité du savoir. Si c'est au niveau politique, il a une légitimité par l'élection. Donc les gens n'acceptent pas que quelqu'un vous impose un système dans lequel vous ne vous retrouvez pas. Or, le système traditionnel impose un système où l'individu n'a plus le choix. Quand il naît, il grandit, ce qu'il va faire de sa vie, avec qui il va se marier, tout ça est tracé à l'avance. Donc l'individu étouffe parce qu'on demande, il y a le contrat social. La structure de la famille va te protéger, elle va t'aider, elle va être solidaire avec toi, même, et ça a une conséquence aujourd'hui, même si c'est contre la loi, mais simplement en retour, toi en tant qu'individu, tu te mets au service du groupe, c'est-à-dire tu réponds exactement à ce qu'on t'exige. Pour maintenir une autorité pareille, il faut avoir recours à une autorité de force. Et donc on a instauré très tôt un rapport dominant-dominé. Et ça a aussi une conséquence terrible jusqu'à présent. Dans notre société, les gens ne peuvent pas concevoir dans la tête et dans leur comportement un autre rapport que celui d'être soit dominé, soit dominant. Je peux prendre des exemples. Prenez maintenant, par exemple, le pouvoir, puisqu'il exprime cette autorité. Prenez les hommes du pouvoir.
devant leurs supérieurs, ils n'existent plus. Ils se font transparents, ils sont sur le à plat ventre. Devant leurs subordonnés, ils sont impitoyables. Quand ils sont dominés, ils acceptent, comme dans une meute de loups, ils acceptent le chef de meute. Et ils offrent le coup au chef de meute. C'est comme ça, les loups, le maître de la meute, les autres, les subordonnés, lui offrent leur coup. Ils ne les tuent pas, mais symboliquement, ils sont soumis. Mais si le chef de meute faiblit, il y a un des prétendants qui vient, il va renverser le rapport et il va être dominant à la place de celui qui dominait, et les autres vont être dominés. C'est un rapport qui existe chez nous depuis toujours, à l'intérieur de la famille, à l'école, à l'entreprise, dans nos relations avec les gouvernants. Et c'est véhiculé par ce que beaucoup racontent, disent, c'est de la sagesse populaire, mais en réalité, ça n'exprime pas que cet état de fait. Prenez des exemples que vous connaissez, des exemples populaires. Il dit que pour un enfant, qu'est-ce que ça signifie? Ne lui explique pas les choses, qu'il ne comprenne pas, il ne faut pas qu'il comprenne. Parce que comprendre, c'est remettre en cause des choses qui ne sont pas bonnes pour lui. Donc très tôt, on apprend à l'enfant à être soumis. Il dit que l'arabe, plus que ça, ça signifie que l'autorité est gérée toujours dans le cadre d'un rapport de dominant-dominé. Et ça, on le véhicule jusqu'à présent, et c'est un grave problème pour nous, pour la suite, pour rentrer dans une modernité. Deuxième élément, c'est le conformisme. Comme la société est structurée de façon asymétrique, donc elle reste fragile. Si elle bouge, elle risque de tomber. Donc qu'est-ce qu'on fait? On doit la conforter systématiquement. Donc on doit refaire exactement comme elle jdad. Naoudoun nouléou l'slef. Et dès qu'il y a un problème, on va se référer au passé, parce que le passé nous donne le modèle qu'on doit conforter, qu'on doit maintenir. Donc c'est le conformisme absolu. Et ça, ça entraîne quelque chose de plus grave encore. C'est quand on empêche l'individu de réfléchir. Et on va même favoriser l'ignorance dans la société. Parce que si vous avez affaire à des gens qui sont globalement ignorants, mais qu'on a adapté à une certaine structure de fonctionnement, ils ne vous posent pas problème. Mais s'ils commencent à chercher, d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Très tôt, même à l'école, dans une salle d'enseignement, l'enfant qui pose trop de questions, même ses camarades se retournent contre lui. Si vous êtes dans une société, vous voulez apporter des innovations, changer, il y a des inhibitions psychiques dans la majorité, dans la masse de la population, et ces inhibitions l'empêchent de réfléchir et l'empêchent de changer. Parce que très tôt, depuis jeune, on a dressé les enfants à ne pas avoir le droit de réfléchir. D'ailleurs, aujourd'hui, l'école algérienne, 90% du travail des enfants, c'est apprendre par cœur. Ceux qui connaissent, qui ont des enfants à l'école, et ils disent « l'hifd ». L'hifd devient même un mot un peu sacralisé. Ah, l'hifd. Alors que dans les écoles modernes, maintenant, on ne demande pas aux enfants d'apprendre par cœur. Il n'y a plus de parcourisme. On leur demande de comprendre. On ne leur demande pas d'apprendre par cœur. Dans notre école, pourquoi notre école est faite comme ça? Parce que automatiquement et normalement et en voulant bien faire, nos pédagogues, nos responsables ont pensé que le mieux était d'apprendre par cœur ce que nous transmettent les anciens pour rester sur la bonne voie. Et d'ailleurs, à chaque fois que dans la société a un problème, au lieu de regarder devant nous comment le résoudre, on va chercher dans le passé. Et le passé, soit le passé identitaire, soit le passé religieux. Et systématiquement, on va vers l'arrière. Et d'ailleurs, tout le monde ne peut pas être ignorant, parce qu'il faut qu'il y ait quelques-uns qui lisent, qui apprennent,
on leur fait apprendre le passé. يقرا يحفظ القران ويحفظ السنه ويحفظ الحديث ويحفظ كل الفقهاء et le meilleur des meilleurs c'est celui qui connaît par cœur ce qu'a fait ce qu'ont fait des religieux au 8e 9e 10e 12e siècle. يقرا لك ابن تيميه a plus d'importance aux yeux des gens que par exemple Arqouni parce que ibn Taymiyyah fait partie du passé, c'est hada la légitimité تاعو. Parce que psychologiquement, on a dit aux gens, le passé est toujours bon et l'avenir est toujours mauvais. Alors que Ibn Taymiyyah, si vous prenez l'Hanaya, 99% de la population présente Hanaya a un niveau largement supérieur à celui d'Ibn Taymiyyah. Il ne savait pas si la Terre était ronde ou plate. Il ne savait pas qu'est-ce que c'est l'électricité. Qu'est-ce que c'est une caméra. Mais pourtant, les gens pensent que c'est lui qui va nous sauver pour l'avenir. Donc, regardez comment des structures de société créent une mentalité. Donc, dominant-dominé dans nos rapports, sinon on ne sait pas faire. On n'arrive pas à faire. Là, je vous dis ce problème. Par exemple, vous créez une association. Beaucoup ont essayé. Au départ, tout le monde est content, on commence à travailler. Mbad, vous allez petit à petit voir les gens, ils se désintéressent. Il n'y a plus rien, vous allez vous retrouver tout seul. Mais, de temps à autre, il y a quelqu'un qui sort des rangs et il veut pas changer, vous remplacer. Il dit le coup d'état. Et là, il va s'investir, il va courir, il va dépenser pour une tentative de coup, yani de redressement, ou la mishaaraf, 10 fois plus d'énergie qu'il n'avait mis pendant 5 ans ou 10 ans au Wehdemak. Donc, dominant-dominé a des répercussions terribles jusqu'à présent. L'ignorance qui est mejdouha presque, sans le dire, parce que... Mais en réalité, c'est ça. Vous avez vu comment dans la décennie rouge, des universitaires suivaient un taulier. C'est le taulier qui hukom. Parce que علاش هذاك يقول له تقرايا يسمى جيبه لي فهم ولا قاري القرايا en soi c'est un luxe dont on n'a pas besoin dans la société يقول له خلي القرايا تاعك عندك في المسجد لهي اما هنايا on est dans le réel et d'ailleurs petit à petit même le monde universitaire s'est adapté à cette réalité puisqu'à l'université on n'apprend rien de ce qui est réel on n'apprend que du vide. On oblige les étudiants à apprendre et à répéter sans arrêt des choses qui n'ont pas de relation avec le réel. La révolution algérienne a souffert de ça. Bien sûr, bien sûr. La révolution algérienne, ils ont liquidé systématiquement ceux qui étaient instruits parce que l'instruit, il est douteux. Donc, dominant-dominé. Conformisme absolu. On répète toujours la même chose. وهنا يقولها لك كل شيء اسم الحداثة كيف شيء يقولوا حبيب كل محدثة بدعة 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 لا لا وكل لا لا donc هاوليك déjà même par le biais religieux on vous demande de ne rien inventer sinon c'est une culpabilité et ça ne croyez pas que ça n'a pas d'effet c'est-à-dire la personne l'individu porte en lui terriblement ses inhibitions. Parce que très tôt, il a été pris en charge pour ça. Donc, il va reproduire inconsciemment, systématiquement, ce modèle-là. Alors, en plus, ce type de comportement va créer autre chose. Ce type de structure crée un autre comportement. C'est l'opportunisme. Malheureusement, on est dans une société très opportuniste. Parce que comme on ne doit pas prévoir l'avenir, on doit profiter des conjonctures. Comme pour anticiper. Donc n'anticipe rien, n'essaye pas de faire quelque chose à l'avance. Par contre, s'il y a quelque chose, profite-en. Et donc ça se reproduit aujourd'hui, on a des comportements opportunistes. Et enfin, pour ceux qui yani, se sentent mal à l'aise dans ce type de société, eh ben, il va vous donner le visage conforme à ce que vous attendez, mais il va faire juste l'inverse derrière. Et là aussi,
on va semer l'hypocrisie dans la société. Aujourd'hui, vous avez des tendances lourdes dans la société, l'autoritarisme, dominant-dominé, le non-respect du savoir, le conformisme absolu, de l'opportunisme, de l'hypocrisie. Et tout ça habillé de religion. Comme on avait pris, on avait parlé des fondamentaux des valeurs anthropologiques, donc la religion rentre là-dedans. Comment elle rentre? La religion a un aspect formel, extérieur. Les spécialistes parlent d'exotérisme, c'est-à-dire c'est la forme que prend une religion. Comment on s'habille, comment on se comporte, le rite, tout ce qui est rituel, etc. Mais tout ça, dans le sens profond de la religion, ce n'est qu'une étape préparatoire à autre chose, qui est la dimension spirituelle ou l'ésotérisme. En arabe, le batin ou le dahir. Le dahir, c'est ce qu'on voit. Ou le batin, ça, en fait, ça relève de la foi. Toute la partie extérieure, exotérique, a en fait été utilisée, non pas pour une spiritualité, mais pour consolider les structures de la société traditionnelle. Donc, Rabtoha, si vous voyez Ramadan, c'est un mois sur 12 dédié complètement à la famille, à l'homogénéisation, à la mise en cohérence du groupe. S'il y a un mariage ou là une fête, ou là, c'est la même chose. Donc tout l'espace-temps de cette famille traditionnelle est balisé par des activités, qu'elles soient d'ordre profane ou d'ordre religieux, pour maintenir en place la structure. Ou même بعد تركبت عليها, ce que explique très bien Saïd Jabal Khair, les interprétations, toujours sous l'angle de maintenir en place la structure traditionnelle, mais on interprète, et s'il le faut même, on invente du hadith. Et plus que ça, on va mettre de côté l'ayat Qur'aniya, des sourates, on les met de côté parce qu'elles contredisent la société. Et là, je donne des exemples très précis. L'ayat, comme quoi, la société d'aujourd'hui qui se dit religieuse, elle a des attitudes contre des commandements coraniques qui vont à l'encontre de cette société traditionnelle. Donc, dans le climat dans lequel baignait l'Algérien jusqu'en 62, à peu près, tranquillement, la majorité est conditionnée, c'est ça, depuis toujours on a vécu comme ça. Donc, il n'y a pas de tension particulière. Mais derrière le rideau, il y avait des souffrances humaines importantes. À partir de 62, il y a un élément nouveau qui est intervenu dans notre société et qui a déclenché quelque chose de nouveau. C'est que pendant 132 ans, les Algériens n'ont rien voulu changer à leur vie, n'ont pas voulu évoluer parce qu'il y avait un élément aliénant extérieur à lui qui vivait dans son espace. Donc la peur de l'Algérien de devenir comme le colonisateur a fait que l'Algérien s'est maintenu arc-bouté sur ses habitudes, même si elles avaient perdu un sens avec la vie du quotidien. Mais à partir de 62, il y a eu une libération psychologique. C'est-à-dire les gens ont tourné le regard vers l'Occident et très vite ils ont voulu mieux vivre, consommer, avoir des moyens. Le pouvoir alors, qui était formaté par l'idéologie de gauche, a poussé au nom du progrès toute la société à aller vers l'industrialisation. Mais l'industrialisation suppose des regroupements, donc un exode rural, une urbanisation massive et surtout une éducation. Et là, l'éducation des garçons et des filles. Et ça, ça va bouleverser la situation par la suite. Parce que dès que vous avez les filles qui vont à l'école, qui commencent à lire et écrire, qui comprennent ce qui se passe, elles vont avoir des besoins nouveaux, des besoins de droits humains, des besoins de liberté, et vont refuser le système dans lequel
elles étaient emprisonnées. Et petit à petit, vous avez un nombre de femmes qui commencent à aller à l'université, qui commencent à sortir. Au début, la société extérieure, qui est une société mâle, avec accent circonflexe, elle regardait ça avec bizarrerie. C'est-à-dire, je crois que c'est une situation exotique. Je crois que des touristes viennent. يهدر قال كاين واحد كاين جروب دو فام عم يقراو ميم لي زاني 70 كان يقول لك اون ا بوكو ريغريسي في لي زاني 70 يا في دي فام كي ايتي اون ميني جوف دور اي سي فري ان نيتي با اغريسي باسكو لوم دون سا سايكولوجي سا مونتاليتي سون ايديوكاسيون بور لوي اي فويي سا كوم ايتون برك كلكو شوز ديكزوتيك مي كي نو لو توشي با شغل انت تشوف الجنابي جاي حوس. Et à partir du moment où ça a commencé à se multiplier, oh, ça posait problème. Bint al-Jar tqra, donc bintou a demandé le rahm de l'université, ou بعد zouja tawa tqoulou ana rahbi nkhdem parce que qrit. Et ça a commencé à se répandre. Et ça, ça fait qu'on rentre dans un modèle qui n'est plus le modèle traditionnel. Mais le modèle traditionnel, lui, il est très profond. Il est dans notre inconscient. Il est consolidé. Quand vous construisez quelque chose, vous mettez une ceinture de consolidation qui s'appelle le sacré, c'est l'islam. Donc si vous touchez à quelque chose, parce que là, ça va réveiller le sens de l'honneur. Et vous voyez bien que le sens de l'honneur chez nous n'a rien à voir avec le sens de l'honneur ailleurs. Le sens de l'honneur est lié à 99,99% à la femme, à sa femme, à sa fille, à sa mère. Alors que il touche à sa dignité, ça ne l'embête pas outre mesure. Mais ça le met dans un état d'horreur. En Europe, l'indignité, c'est lorsque quelqu'un est au chômage, il ne travaille pas, il doit tendre la main. Les Algériens, ils sont fiers et heureux, et ils racontent, et ils le racontent partout. Parce que ça ne touche pas les valeurs. Par contre, même les beurs, parce que chef Khtou, elle peut sortir avec un garçon qui n'est pas du quartier, ou les pires encore, s'il n'est pas musulman. Donc, nos valeurs, on s'est emmailloté. Mais en même temps, elles ne tiennent plus la route. Parce qu'à partir du moment où la femme commence à travailler, à partir du moment où on habite des immeubles, on n'habite pas Fadjra, où le mariage entre cousins devient de plus en plus difficile, parce qu'il y a moins de cousins à marier par l'espace, par la séparation, mais aussi par le nombre. Donc il y a toujours assez d'enfants à marier entre cousins. Donc il n'y en a plus. Et des fois, on ne se connaît même plus les cousins. Ils sont éloignés parce que la géographie nous a séparés. Et puis, il y a eu une pluie d'informations nouvelles. La parabole dans les années 80, on bat Internet, on bat les vidéos, on bat... Bon, tout ça fait que les Algériens commence à avoir d'autres envies. Et on a déplacé notre centre de gravité d'un univers purement affectif dans lequel on vivait vers un univers matérialiste. C'est une transformation naturelle des sociétés qui rentre dans la modernité. Maintenant, on ne sait plus gérer ça. Alors, est-ce que l'Algérien est très émotif, beaucoup d'affection? Mais il réagit toujours de façon immature. On le voit partout autour de nous. Alors, il n'y a pas de rationalité. On ne maîtrise ni l'un ni l'autre. On pense que la consommation, c'est quelque chose qui vient comme un droit. On n'a pas compris que les sociétés qui se sont élevées matériellement ont mis d'abord en place un système nouveau dans leur structure sociale, dans leur société. Donc petit à petit, le changement a créé beaucoup de tensions dans la société et il a créé même des névroses. Aujourd'hui, un peu moins que dans les années 90, la société est névrosée.
Elle est névrosée parce que mettez-vous à la place de quelqu'un qui a été tranquille les années 60, 70. On va dire que le bon, tu as un peu de drame, ou la capitale, ou une grande ville, ou là, tu sais, plastique, c'est la vérité, parce que les campagnes étaient déshéritées, misérables et tout. Il dit, bon, déjà, il prend un appartement, il n'était pas habitué à vivre dans un appartement, tu as un gars qui va être là, qui va être là, de la baignoire, l'aspect urbain. Donc déjà ça pose ennui. يعني تقلقوا ومن بعد لازم الصباح لازم ينوض ويروح يخدم ويعاود يولي ailleurs fixe. L'Algérien dans sa nature avant 62 n'était pas habitué à ça. هو يمشي avec le temps de la nature. Et نوض مع الشمس ولا يدخل الدار مع المغرب. يتمشى مع الطبيعة, ما يتمشاش مع quelque chose d'artificiel. لينا فتحوا الحجة sont des exemples يعني. Le Hajjar dans les années 70, kiftouh, ils ont recruté de la main-d'œuvre de base. Formé au Homchouya, au Flé, au Fourneau et tout. Djabounes, les environs qui habitaient, yani, c'est la petite paysannerie. Et, ben, les gens, ils dirent sa petite formation, ils disent au bout d'un mois, ils disent qu'ils disent la paix, ils disent qu'ils disent. Ben, deux mois après, ils se présentent. Ils disent qu'ils disent qu'ils disent qu'ils disent. Parce que Houa, il est habitué, quand il a besoin d'argent, il va vendre un mouton ou deux de son troupeau. Ben, il va consommer ce qu'il a vendu, très peu, parce qu'il consomme très peu. Ils ont une vie très sobre. Ben, donc Houa, dans sa tête, la même chose. Il dit le salaire, il dit le salaire, il dit le salaire. Et donc, c'est un problème d'adaptation. Or, vous savez, en psychologie, on apprend tous que quelqu'un qu'on sort de son milieu naturel et qu'on met dans un milieu complètement différent, il perd tous ses repères et il va vivre un stress excessivement puissant. Il y a des films, il dit la campagne ou là ou dans une grande ville, ils sont complètement perdus. Mais quand ça touche aux valeurs anthropologiques, ça crée des tensions terribles. Alors, on met à la place de ce papa et il vient. Bon, déjà, la nouvelle vie, c'est bas, l'appartement, c'est difficile. L'hygiène, la poubelle la fin de journée à telle heure. On va dire que c'est un problème parce que les deux ils croient. Ils ont dit que c'est un problème. Et déjà, supporter la discipline horaire et tout, c'est un problème pour lui. ومن بعد من تدخل وانا نروح لونيفرسيتي بدات تكبر عاد له مشكل تروح لونيفرسيتي تقرا مع الدراري واش يقولوا عليه هو في الدشره ولا في البلاد خوه ولا يمه ولا باباه يجي يقول كيفاش تخلي بنتك انت تخرج بصح هو ميمطو يقول بنته ما تروحيش اي فوا بيان كو يكري ان بروبليم على ميزون وكاين يل فا ديباسي لو كاب وكاين ما يقدرش يقول اقعد عندي في الدار ومن بعد فا ايت مالوغوز فا ديبريمي. Ou en même temps, dans son programme, son logiciel traditionnalisme, il se voudra le plus tôt parce que c'est un problème. C'est une bombe. C'est une bombe qui est désamorcée. Et il ne la supporte plus. Et donc, ça lui crée des nuits blanches. Ou même quand il est un peu plus tard, il a rencontré sa femme à l'université ou là, il dit qu'il va se faire des fous de dar. Il dit qu'il va se faire des fous de dar. Et ça commence les tensions. يخليها ولا ما يخليهاش ومن بعد هو شاف ولا هي شاف وتخلط دونك لو بونوم يعني il vit des tiraillements psychologiques tels que ça devient insupportable. Et quand je dis insupportable, c'est réellement le cas. Il y a des cas cliniques, mais dans les années 90, une grande partie de la population algérienne est rentrée dans une situation très grave parce qu'elle se sentait attaqué dans sa dignité, dans son honneur. Celui qui ne peut pas s'attaquer, il va aller se réfugier. Parce que tout ça, il fuit une réalité qui est devenue insupportable pour lui. Donc on vit une anomie. Parce qu'on n'a pas refait le logiciel, on ne l'a pas réactivé, on ne l'a pas réactualisé. Quand on a sur un ancien logiciel, ou on a un nouveau logiciel, et ça commence à faire des tensions systématiques. Jusqu'à présent, vous avez des troubles modernes,
la femme elle sort, elle conduit, بصح il y a toujours des problèmes à la maison. علاش خرجتي وكيفاش وما قلتليش ونتايا انت وين رحت وهكذا. Et ça n'en finit pas. Et personne ne sait d'où vient ce problème-là. Bon. Et derrière ça, il y a d'autres problèmes qui se sont accumulés. Là, je parlais comment le garçon, lorsqu'il va naître, c'est une grande fête. Il va grandir comme un prince. On va lui dire, tout est ton droit. Hein? Le jour où il doit affronter la vie réelle, ah, il va avoir de très gros problèmes. D'ailleurs, vous le savez, à l'université, il y a 2 filles pour 1 seul garçon. Alèche, pourquoi il y a moitié moins de garçons qui ont le bac? Parce que le garçon a été éduqué, couvé par la maman, et donc il ne va pas faire d'efforts. La fille, elle sait que si elle ne fait pas d'efforts, elle va le payer très cher. Donc la fille, elle va travailler, elle va bosser, elle va gagner. Quand elle finit ses études, elle va travailler. Maintenant, les entreprises cherchent plutôt une femme qu'un garçon. Parce qu'une femme, elle est sérieuse, elle travaille, elle est à l'heure, et elle fait bien son boulot. Et le garçon, il va avoir la voiture, ou il roule home, ou il lèche. Donc généralement, il dira au chauffeur, ou il l'assesse. Même ça les arrange. Même dans les petites villes qui étaient très conservatrices, tu rentres à la mairie, tu sais, le guichet, garde des femmes, ou tu sais, ou l'assesse, rentre. Parce que le garçon ne veut plus, n'a plus les ressorts et la motivation, parce qu'il a été étouffé par sa mère. Parce que sa mère a besoin du garçon pour sa sécurité à elle. Et donc petit à petit, la femme s'est libérée. Mais plus que ça, donc la femme, elle est intelligente, elle comprend ce qui se passe. Donc la femme, elle sait que dans le système traditionnel, si elle va chez ses beaux-parents, ce n'est pas son mari, elle ne va pas avoir affaire à son mari, elle va avoir affaire à sa belle-mère. Et c'est sa belle-mère qui va gérer. Et là, ça pose un grave problème. Donc, Anna, je vous parle franchement, Hagda, il y a des femmes ici, entre parenthèses, il y a 10-15 ans, il n'y aurait jamais eu autant de femmes dans une assemblée mélangée, y compris avec des inconnus, etc. Parce qu'on va venir sur un peu l'évolution de ce qui se passe. On a comme une des façons, on viendra des solutions. Il faut, pour sortir de notre problème, il faut encenser la femme. C'est-à-dire, il faut redonner une meilleure place à la femme, mais il faut en même temps désacraliser la mère. Parce que chez nous, le garçon, tout ce que dit la mère, c'est à 100% vrai. À 30 ans ou à 35 ans, il dit qu'on a dit que mais ça, la maman, elle est contente, elle est heureuse, elle voit que son fils lui est toujours fidèle. Mais le problème, c'est qu'elle a créé de graves distorsions dans notre couple. Il va y avoir d'autres problèmes de rapport entre hommes et femmes. Je ne veux pas rentrer là-dedans parce que ça va nous mener loin, mais que j'ai abordé dans le livre. Donc cette situation de conflit systématique sur les valeurs anthropologiques a créé une explosion de violence dans les années 90. Et si vous reprenez les discours politiques des années 90, c'était « L'mara t'khdem ou radjil chômage » donc « D'khlou l'mara l'dar ou n'atouha pension »« N'atouha m'ga les pensions »« Bsah mazij t'khrj m'dar »« Ou radjil houa les yikhdem » Parce que là, la femme, elle est rentrée par effraction dans l'espace public, ce qui lui est refusé parce qu'elle remet en cause tous les codes de la société traditionnelle. Et si on ne peut pas le faire par le rapport de force, puisque c'est lui qui fonctionne, on va passer à la violence absolue, comme il y a un état particulier qui dit, lorsque la force ne peut rien, il faut encore plus de force. Nous sommes dans cette psychologie. Lorsque le rapport de force, à un certain niveau raisonnable, ne fonctionne plus, alors on va passer à la violence. D'ailleurs, quand ça fonctionne mal à la maison, le plus fort, il va passer à la violence physique. Il tape. Puisque sa parole ne passe plus. Et sa parole ne passe plus parce qu'elle est construite sur un système irrationnel. Et t'es trop à la moitié de la population, tu dois vivre soumise et sans droit. Et cette partie, elle va à un moment se rébeller, il faut bien qu'elle bouge. Ou peut-être tu n'as pas d'argument pour lui dire que cette situation est normale.
Donc comment tu maintiens la situation? Par la force. C'est ce qui vous explique le fond de la violence des années 90. Tous les analystes politiques, algériens ou étrangers, ont cherché le problème dans une guerre entre une junte militaire et un peuple ou le fils, ou une idéologie. Où est le fils d'homme? Où c'est qu'il est? Quand on avance quelque chose, on reviendra tout à l'heure, quand on avance une théorie, quelle qu'elle soit, il faut qu'elle devienne prédictive. C'est-à-dire elle n'a une part de vérité en elle que si elle peut vous annoncer qu'est-ce qui va se passer à l'avenir. Donc on va revenir. Mais pour le moment, lorsque le pays est rentré dans cette contradiction de ses valeurs anthropologiques, on n'arrivait plus à gérer et les structures de la société traditionnelle se sont cassées, se sont brisées. Et c'est le cas, sauf que la société, ce n'est pas un objet comme un mur. Il se casse, c'est-à-dire c'est comme plutôt quelque chose de vivant. Je compare un peu comme la queue du lézard. Vous coupez la queue, elle continue à bouger. La société traditionnelle s'est brisée, mais les morceaux, maintenant, dans l'incohérence totale, agissent encore. Ça vous explique que l'Algérien peut être traditionnaliste, conservateur, mais en même temps moderne. Parce que dans sa tête, il y a des morceaux de logiciel qui sont toujours fonctionnels. Mais petit à petit, il va y avoir une évolution. De 1962 à 1988, il y a eu donc, parce que j'avais décrit tout à l'heure, l'éducation, l'instruction, l'urbanisation, l'exode rural, l'industrialisation, l'ouverture sur le monde, par l'information, ça a accumulé les contradictions. De 1988 à 1999, à peu près, c'était l'explosion. Parce que là, c'était ingérable comme système. Après 99, on est rentré dans une phase compensatoire. 99, j'ai dit à 2014, pour des raisons que vous verrez, c'est une phase compensatoire. La fièvre commence à redescendre. La société traditionnelle est en train d'être pulvérisée. Elle ne va plus exister. Petit à petit, des valeurs modernes rentrent dans la tête de l'Algérien. Et il va s'adapter avec ça, il va compenser. Donc on a eu déjà une période de compensation jusqu'en 99, où les Algériens voulaient oublier le passé proche. Je veux dire que quelqu'un qui était dans le حبس pendant 10 ans, il sort du حبس et il va se sahar, il fait n'importe quoi, il veut se défouler. Les Algériens se sont défoulés pendant presque 15 ans. Il y avait la manne pétrolière aussi. Donc c'est la corruption, c'est tout à la fois. Mais en même temps, quand la société traditionnelle est tombée, s'est effondrée, elle a entraîné avec elle la ceinture de consolidation qui s'appelle l'islam. Et contrairement à toutes les analyses qui se font généralement, ou qui disent que l'islamisme risque de revenir, etc., je l'ai toujours dit depuis 10 ans, et ça se confirme, l'islamisme va se dissoudre complètement. Vous avez une apparition extérieure d'un islamisme sous forme symbolique, mais l'aspect intérieur est en train de se diluer. Vous allez avoir des mosquées pleines à ras-le-bol, mais entre deux vendredis, les gens font n'importe quoi. Ils font toutes les formes pour montrer à la société qu'il tient à la religion. Mais en réalité, dans son cœur, il n'y a plus de religion. On est dans une phase de grande hypocrisie générale, parce qu'il fallait une adaptation, et surtout parce qu'il y avait une culpabilité. Les gens voient bien les explications qui sont données par, je mets entre guillemets, les ulama, ne collent plus au réel. Ça ne va plus, ça ne marche pas, c'est insensé. Mais ils ne veulent pas le dire, parce que c'est se renier soi-même. Donc comme il ne le croit pas, il va exagérer la forme, ou alors que dans le fond, quand il est tout seul, il fait l'inverse. Et vous allez voir petit à petit des phénomènes qui étaient apparus en tant que phénomènes simplement de forme vont disparaître. Je vous fais le pari que dans la décennie qui vient, vous allez avoir des mosquées à moitié vides, et que même la forme extérieure qu'avaient prise
la religion, par exemple, beaucoup de femmes ont porté le hijab obligatoirement. Mais même la pression qu'elles subissent, je ne parle pas de celles qui le portent par conviction spirituelle. À elles de juger, c'est son problème. Mais la majorité des femmes qui portent maintenant, elles le portent parce qu'elles auront moins de problèmes à l'extérieur de la société. Elles seront moins agressées par les hommes. Et puis déjà, le papa et le frère acceptent plus facilement parce que la fille est mutahajiba. J'ai compté la dernière fois la sortie de Bouzeria à l'université, 85% des filles sont avec le hijab. Mais ce hijab va évoluer très vite. Autant au début il était très sobre, autant il va y avoir le jean, un petit pull. Et le hijab lui-même va se transformer, il va devenir un petit cache-cheveux, il va devenir beaucoup plus souple. Et donc il y a petit à petit un glissement à l'intérieur de la société vers une sécularisation. C'est-à-dire on va perdre les aspects très visibles et réactifs de ce qui est religieux et on rentrera dans une phase plus apaisée. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, reste la question, mais qu'est-ce qui va se passer au-delà ? Bon, il y a les conséquences immédiates, directes. Malheureusement, il y a des bonnes et de mauvaises conséquences. Par exemple, on va avoir de plus en plus de divorces. Ça, c'est clair. Parce que donc, l'homme et la femme vivent dans deux univers mentaux contradictoires. Donc, petit à petit, ça se traduit sur le terrain. Il va y avoir une sécularisation de la vie. Il y a un individualisme de plus en plus important, puisque les sociétés, les structures traditionnelles se sont brisées. Il va y avoir un consumérisme et même de compensation plus important, et on l'a vu jusque-là. Mais on bat, ça, ce n'est pas une solution. Parce que un peuple ne peut pas vivre sans règles de vie qu'il a intégrées dans son inconscient. On ne peut pas. Ce n'est pas possible. À partir du moment où la société traditionnelle, maintenant, est finie, elle est condamnée, et il n'y aura plus aucune possibilité de revenir. Il faut que les gens le comprennent, le saisissent bien. Donc on va se poser des questions, avec quoi on va remplacer ? Quelle modernité ? Et là, on peut comparer. Est-ce que c'est la modernité, par exemple, qui est toute proche ? La modernité en Europe, en France ou là ? Ben, Houmain, leur modernité, ils ne l'avaient pas pensé non plus. Contrairement à ce qu'on croit, ils avaient pensé à déconstruire leur société traditionnelle, qu'ils n'avaient pas décrit réellement, mais ils ont lutté contre certaines valeurs, contre certaines croyances, etc., parce qu'ils étaient, entre guillemets, pionniers dans l'affaire. Mais ils n'ont jamais pensé que c'était nécessaire de remplacer la société traditionnelle par quelque chose, appelez-la société moderne, si vous voulez. Ils sont maintenant dans le vide existentiel. Il y a un très grave problème dans les sociétés dites modernes aujourd'hui. D'ailleurs, certains parlent de sociétés post-modernes. C'est-à-dire pour eux, classe, ils ont dépassé la modernité. Oui, il y a la solitude excessive, l'individualisme, il n'y a plus de solidarité, il n'y a plus de valeur de spirituelle. Il y a des problèmes très graves qui se posent à eux. Alors, est-ce qu'on doit laisser faire le temps ? Je crois que le wahad, il est blessé, il laisse la cicatrice se faire avec le temps. Ou alors, il faut se décider et à construire une société moderne. Si on veut construire une société moderne, il faut en débattre. Il faut d'abord faire le deuil de la société traditionnelle et savoir sur quoi on construit ce monde moderne. Et ce monde moderne, on vous dit en quelques mots et on ouvre le débat, juste quelques éléments. Il faut absolument rééquilibrer le rapport homme-femme. Il faut absolument changer de rapport dans la société, passer d'un rapport de force, de dominant à dominé, à un rapport de raison, de dialogue. Vous le voyez bien, même lorsque le gouvernement a des difficultés à gérer un secteur, il ne veut pas dialoguer, parce qu'ils sont convaincus profondément que s'ils dialoguent, il a perdu la face. Et s'il perd la face, il a perdu la partie. Alors que normalement, si on est dans une culture de dialogue, on doit pouvoir mettre sur table des discussions pour aboutir au bien de tous. Donc, comment sortir de ce rapport-là ? C'est l'école. Que le rapport homme-femme, l'école,
enlever le rapport de force et passer à un rapport de raison, c'est l'école. Apprendre à nos enfants à travailler en groupe, ça, la structure traditionnelle a empêché notre société à réfléchir collectivement à son avenir. On ne sait pas, les Algériens ne travaillent pas ensemble. On ne sait pas faire une équipe. On ne sait pas se projeter sur l'avenir. On ne sait pas donner le temps au temps. Kinjibou, un entraîneur, irbah match, qu'al khamdou la Coupe du Monde. C'était comme ça en 2012, Maa Saaden, qualifié, qu'al ça y est, on va gagner la Coupe du Monde. Alors que, khser le match, dhnoulou dak, srolou darou, qu'al l'outrou. Donc, on ne sait pas travailler, se projeter. On ne sait pas imaginer. On s'est interdit d'être créatif. Et toutes ces valeurs-là sont essentielles dans le monde d'aujourd'hui. Et ça, ce sont des valeurs qui doivent être inculquées dès le bas âge, à l'enfant, dans l'école. On doit donc rechanger, remodeler complètement notre méthode pédagogique. C'est des réformes essentielles pour la suite. Et on doit, bien entendu, acclimater le pays petit à petit à un état de droit. Il faut que l'écrit soit au-dessus de l'homme. Il faut qu'on sorte du za'im, parce que le za'im provient directement de l'imaginaire patriarcal. Voilà un peu une approche globale, mais je pense que ça nécessite au moins autant de temps. Je ne voudrais pas vous accabler plus, et puis surtout vous donner la possibilité et l'occasion de discuter et de poser des questions. Je vous remercie. Shukran. Shukran.